Il faut reconnaître qu'il y a du bon dans notre vécu. La preuve, les passages du pouvoir s'est effectué sans rancune. Je ne sais rien de la politique à part que cet état est trop chiant. Comme tout artiste, j'en parle pour me donner bonne conscience. Les conseils ici, c'est des biens politiciens pour faire de l'oseille. C'est le seul boulot rentable et les autres ne sont pas pareils. Et ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, c'est en désirant d'être politicien sans arrêt. Ici, les parents te diront étudier, c'est notre honneur. C'est après qu'ils comprendront avoir conduit au rang des chômeurs. Chez nous, on laisse nos parents choisir nos vies. Ils font des choix à notre place et par peur, on les suit sans rien dire. Tu deviens sataniste dès que tu réussis avec grandeur. Une fois que la pauvreté fait peur, il faut vite devenir pasteur. Le seul état où tu vis les jours, mais surtout la nuit, l'enfer. Mon état est comme un homme pauvre avec 10 000 hectares de terre. Tant mieux si l'Europe traite mon état des marginales. Pour moi, dans l'art, des naissances excessives, c'est les plus originales. On a un certain rôle lorsqu'on connaît les chefs des secteurs. Le slogan, c'est tu connais mon niveau comme s'il était supérieur. Quand tu as des bonnes idées, on fait vite en sorte que tu meurs. Dans cette idéologie, mon état restera dans la merde. L'idéologie réformatrice à la mort, voilà où ça te mène. Faut pas essayer de les développer, développe-toi plutôt toi-même. Ici, juger l'état et ses gérants est une grave erreur. Les crimes des concitoyens sont apparemment plus graves que les leurs. Les religions dans mon état sont plutôt nombreuses. Prince Parolier l'a dit, certains religieux t'éloigneront des dieux. Dans mon état, les meilleures idées finissent par s'arrêter. Mzé Kabila en est la preuve, il faut bien l'accepter. Nous devrions plutôt passer à autre chose, c'est normal. Car tous les restes des projets ne finissent pas ou finissent mal. Dans mon état, prépare-toi au tribalisme surtout. C'est vraiment désolant de vivre dans un état sans amour. Va pas nous comparer à la RSA ou au Cameroun. Le développement de mon état, c'est comme les projets sans jour. On en parle tout court. Dans mon état, si tu sors, il faut bien t'habiller. Près de ma banque, c'est toi qui invite, même si à la maison tu n'as pas à manger. Si tu as une embrouille avec un motard ou mon Seba, attention, il te dira que l'État lui a déjà payé même son droit de stationnement. Étant jeune, plus que même ton père, tu prends soin de ta maman. Maman, conimologie, c'est la chose que te dira ta femme. Tu acceptes, oubliant ce qu'elle a fait pour toi étant enfant. Aux infos, il paga barichongéa, maman, babé, tournement. Sous d'autres yeux, tu vois un policier, la nuit finit la peur. Dans mon état, tu vois mon bonzi qui bat en dents des pleurs. En vrai, je crois que mon état n'est changera jamais, mais je continue d'y croire même si j'ai conscience de la réalité. Je vous présente mon état. Merci. Mon secret, c'est la passion et le travail. Une confusion s'installe dans ma tête, une bouteille que je m'enivre. Chaque jour de ma vie, je me retrouve entre le marteau et l'empile. Et cette horreur qu'inflige le marteau crée à mon être la phobie. Mon moi et moi veulent toujours qu'à leur décision je m'incline. Peut-être plus tard je finirai par éteindre ma bougie. Les deux parties de mon être se battent sans cesse. Chacune d'elles désire être mon maître. Celle qui me domine sans doute est celle que j'embrasse. C'est une souffrance que tu peux la reconnaître. La belle vie, la belle voiture, la belle marque de whisky. Tels sont les articles de moi, j'aime même si je sais que c'est éphémère. Mon corps en relaxe, je me vois le roi du monde, je m'en réjouis. Mes yeux regardent le plafond, mon moine me dit, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est alors que je me questionne, je suis moi ou mon moi? C'est alors que je me questionne, je suis moi ou mon moi? C'est alors que je me questionne, je suis moi ou mon moi? La voix que mon moi me propose à mes yeux n'est pas attirante. Il me demande d'éviter le loisir et derrière une vie éternelle se cache. Non pas par malice, un lion se couvre la peau d'un agneau, mais par crainte. Obligé d'accepter mon moi, même si son chemin n'est pas fastoche. Puis je me rends compte que c'était ma bande de faire le mal. Les vertus de mon moi sont consumées par moi, je me noie. Mon corps douloureux désire de jouer dans la cour infernale. Puis je me retrouve toujours pris au piège par l'anthologie de moi. Prier, je sais. La dîme, je la donne, pardonner, je le fais. Ça ne m'acharnait pas de le faire, c'est mon moi qui le veut. La bière me plaît, fumer, je sais. La Belgique me passionne, je suis subjugué par la sélection de mon moi. C'est évident que je n'ai pas de choix. Je suis une marionnette manipulée par mes voix intérieures. Celle qui me domine sans doute est celle que j'embrasse. C'est évident que je ne me contrôle pas. Lorsque je rentre à moi-même, c'est alors que je me questionne, je suis moi ou mon moi? C'est alors que je me questionne, je suis moi ou mon moi? Lorsque je rentre en moi-même, je me questionne, je suis moi ou mon moi? Il me faut du sang pour mon festin d'obédience sadique.
brûlait l'encens des cœurs stoïques quand on croque cet enfant par ses dents politiques ou pour jure de l'innocence de sa gueule alcoolique ou pour s'élever dans l'échelle hellénique. Oublier que je suis nègre, repaître mon appétit d'ogre, vaincre le nous né son désordre, m'élever dans ses putains ordres de puissance en puissance, suçant le sang pour grandir, posséder le monde et l'embellir. Ceci, la paix ne fait jamais me l'offrir. La paix est le cri des pauvres comme au lest, pendant qu'il crie Kagame s'enrichit à l'est et se fout d'être bad tant qu'il est best. La règle ici bas, c'est qu'il me craigne pourvu qu'il me respecte et on se fout du reste. La plèbe se couche sur le traité de paix pendant que Poutine est adoré pour ce qu'il fait. Avant Kagame, c'était des croix gammées. Avant la France, l'Angleterre, c'était Charles Quint et ses armées. Tous serviteurs de cette éternelle désarmée qui se contente de désarmer les faibles par la foi afin que les forts percent leur foi. D'ailleurs, Jéhovah lui-même de la vie éternelle ne vous fera don que par le feu de la bataille d'Armageddon. Alors à vos discours de paix, moi je dis donc, je danserai que les chants des coups de canon. Révolté, révoltant comme l'ouverture ou Fanon, je me battrai mieux que Gandhi et que Mandela. Je garderai la tête hirsute d'un Lundula et mes mots poignardants de Lumumba. Je remplacerai le chant de paix par le chant de combat, ceci jusqu'à mon retour dans l'au-delà. Toujours je hais la paix, tous les jours je préfère l'épée. Je t'ai peint dans les ténèbres, mais c'était trop tard. Mais tout ça, mettez l'Afrique dans un retard. Tout ça, mettez l'artiste dans un chagrin, sans elle, l'Afrique reste orphelin. J'ai pensé rendre cette histoire arabesque et redonner vie à la culture où j'étais presque. Cette culture est pour l'artiste comme une coquille. Puis c'est dans mon chemin que j'entendis mes cris. Des cris composés des sentiments de détresse qui m'avertissaient de cette destruction de la jeunesse. Et une jeunesse perdue par cette autre culture lointaine, rentrons chez nous et bâtissons notre empreinte. Ce soir, tâchons d'être heureux, car la culture sera démontrée ici, chez nous, chez vous, chez eux. Frappez fort, les voix dire foncez encore, tant en prétend, puis l'espoir à son dérenfort. Je ne vois pas blanc, c'est au Congo, cherchant Zimbongo, et foule, multitude dans son cœur, espoir de crescendo. Frappez fort, les voix dire foncez encore, le choix et solution, c'est une lutte en force. La crise, slogan, le chicri plus fort que la symphonie, et la gratuité, la facilité, ici, elles sont inconnues. Frappez fort, les voix dire foncez encore, le choix et solution, c'est une lutte en force. Frappez fort, il va dire foncier encore, la solution et le récard rarissime l'emporte. Marée mène le choix, veux-tu en prenez-vous en charge, disaient nos cocos. Les génitaires, ils seront majoritaires, cherchant des maïchas à Watoto. Frappez fort, il va dire foncier encore, frappez fort, il va dire foncier encore, et chacun pour soi, tu pour tous, Zalouchi. La solution se trouve ici, au centre-ville, c'est Sakuyichi. Frappez fort, il va dire foncier encore, frappez fort, il va dire foncier encore, citoyens congolais, prenons l'envol. La victoire ici à l'horizon, main dans la main, laissons les Boubayas, et demain ne réussira à faire mieux que les Boulayas. Mais quelque part on dira que ces enfants n'ont pas la carrure. C'est physique à frapper fort, oui, nous n'avons pas la parure. Qu'il n'y a pas du lourd dans les enfants, qu'ils sont fragiles, qu'on n'attend pas d'eux, et enfin qu'il n'y a rien d'agile. Et où pouvons-nous voir des enfants faire des enfants? C'est adulte, n'est-ce pas? Il nous faut une place de l'expérience. C'est caduque, laissez voir, sur un plateau, une place à l'ambiance. Mais nous, nous voulons apporter notre pierre à cette influence, et cet édifice mérite bien notre pierre. Nous ferons mieux qu'hier et mieux qu'ailleurs. Bateau de l'équipage, c'est juste pour l'humilité. En vrai, nous sommes adultes et meilleurs. Enfants, bien sûr, c'est votre œil qui vous trompe. La vérité, c'est tout dans votre oreille, dans cette musique. Des douleurs et d'amertume qu'a connu ma terre. Je raconte l'histoire des pères et des mères qui, leur existence a longtemps été ignorée. Je raconte la galère et la misère, la traite négrière, les pleurs, les larmes. Je raconte ce qui fait mal. En outre, notre continent a longtemps demeuré dans la souffrance. Et par là, on a vécu le mot détresse en tout son sens, hélas. Mais de quelle place que l'être noir soit victime d'une flagrance des maltraitances, juste à cause de la couleur de peau. On a perdu nos mots, toutes nos valeurs et nos raisons sont tombées à l'eau. Parce qu'on n'a pas eu le courage de revendiquer nos droits. Ils nous ont dominés jusqu'à nous, s'imposer des lois et des religions inadéquates à notre foi.
voilà qu'on est divisé, très forcément séparé par une sémence de haine. D'où nous le récoltons aujourd'hui en termes de peine, emporté par le vent de la migration, les douleurs et les cicatrices de la colonisation. Je raconte l'histoire des pères et des mères qui leur existence a longtemps été ignorée. Je raconte, peuple africain, nous sommes une terre à un passé douloureux. Mais si on a tenu face à une telle souffrance, c'est qu'on est le plus valeureux. Mais si on a tenu face à une telle souffrance, c'est qu'on est le plus valeureux. Comme tous nous le savons, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes une source de vie, alors le temps de vivre est de vivoter. Soyons tous unis et formons entre nous des chaînes de solidarité. De nos nations brisant toutes les frontières, les accents tribales et les conflits banals. Bannissons la haine politique, sémons l'esprit critique. Acceptons d'être martyrs de nos territoires. Bref, soyons démocratiques. Je raconte l'histoire des douleurs et d'amertume qu'a connue ma terre. Je raconte l'histoire des pères et des mères qui leur existence a longtemps été ignorée. Je raconte la traite négrière, la galère et la misère, le pleur, les larmes. Je raconte ce qui fait mal. S'allongeant de toute sa longueur dans le ciel, l'aigle poursuit son chemin, non sans laisser des traces avec ses longues ailes. Il maîtrise le ciel comme s'il en est de plus en plus surprenant par sa rapidité à voler. Voyant sa proie de loin, il prend son élan pour ne pas se prendre le vent en plein visage. Belle carrure, il devient admiré par tous. Elle change la personne même toute son identité. Les sages du monde s'écolent, car ils ne peuvent la maîtriser. C'est son calcul sur son domaine privé, car il fait grâce à qui il veut selon sa souveraineté. En effet, le monde rejette, mais sa grâce récupère. Ce qui est incomplet, sa grâce totalise. Comme une pierre rejetée, le Seigneur m'a récupéré, il a fait de moi une pierre de taille au fait, une pierre bien éprouvée. J'étais privé de la gloire de Dieu, même de ses bontés. Sa grâce a surpassé le tout, elle a surabondé. Je parle de la grâce, de cette faveur imméritée qui enlève l'homme de l'esclavage et qui lui donne la royauté. La grâce a pris des hommes au dépourvu et sans valeur. Elle a pris une mère stérile pour en faire mère d'un prophète. Tellement que la grâce est bonne, qu'elle peut prendre une bonne pour en faire une patronne, pour que le monde s'étonne. Là, c'est la grâce. De gloire en gloire et grâce sur grâce, mon Seigneur, tu m'amènes. Avec toi, c'est pas à pas vers la Jérusalem. Nouvelle, là où il n'y aura ne pleurs ou toi même l'architecte de cette ville bien préparée pour tous ceux-là qui t'aiment. Chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées même dans le cœur de l'homme, car tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, même ta folie est sage, plus sage que les sages de ce monde. Tes voies sont élevées, Seigneur, elles sont impénétrables. Quelle dimension as-tu, car ta grandeur est insondable. Tu es pesant, tu es présent, tu es précieux, tu es irrésistible. Dans le combat, tu es puissant, guerrier et invincible. Tu es le Dieu de tout esprit, esprit de toute chair. Mais qui peut demeurer en sa présence et rester le même? Personne. De lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il s'est suffi en lui-même, le roi de l'univers. Après deux jours, la mort croyait pouvoir l'anéantir. Le troisième jour, la tombe n'a plus pouvoir le retenir. Même des conteneurs de continents ne peuvent le contenir. Alors moi je me réjouis, car mon cœur peut le contenir. C'est sa grâce qui change la personne elle-même, toute son identité. Les sages du monde s'écolent, car ils ne peuvent la maîtriser. En effet, c'est son calcul, c'est son domaine privé, car fait grâce à qui il veut selon sa souveraineté. Ephésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Merci.